Alors ce soir, le SFC a gagné 6-0 face à Sarrebourg. Un gros score, qu'est-ce que vous en pensez ? Bah, je suis content pour mes joueurs dans un premier temps qui ont fourni beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie et qui ont fait plein de bonnes choses. Et puis content pour le club qui a aussi mis les moyens de pouvoir mettre en place cette équipe-là. Et puis content pour les supporters et la ville de Sarreguemines pour pouvoir fêter leur première victoire en espérant qu'elle en appelle d'autres. Et qu'est-ce que vous avez retravaillé pour justement arriver à ce résultat-là ? Principalement sur l'état d'esprit dans un premier temps. L'idée c'était de pouvoir se remobiliser tous ensemble. Toute une équipe, tout un club, et puis ensuite on a travaillé sur les aspects technico-tactiques au niveau de notre animation défensive principalement, de manière à pouvoir avoir un bloc équipe plus compact et plus efficace. Oui, effectivement, il y avait une défense un peu plus efficace que sur les autres matchs. Je pense que c'est un gros point que vous avez retravaillé. On a mis l'accent sur cet aspect-là, pouvoir retravailler un petit peu notre bloc avec la gestion d'intervalle, d'interligne, au niveau individuel sur les duels, de pouvoir défendre intelligemment sans concéder de coups de pied arrêtés, ce qui était aussi un des points faibles. Donc voilà, les joueurs ont écouté, ont transféré sur le match, donc félicitations à eux. 6-0, est-ce qu'il y aura un relâchement ou pas du tout ? Bah, comptez sur moi pour mettre la pression à mes joueurs, j'y manquerai pas. Quand on sort d'une victoire comme ça, derrière, il faut remettre beaucoup de travail, beaucoup d'humilité. Et puis prendre match après match et respecter chaque adversaire.